annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Engagé à apporter sa modeste contribution pour l'éducation des enfants et son soutien aux enfants en situation difficile pour leur permettre d'avoir une heureuse rentrée scolaire, le maire Inoussa Zimé Chabi, après l'école primaire de Dokparou, il y a quelques jours, a offert ce vendredi 11 octobre 2024 des kits scolaires aux enfants de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes de Guémant, situé dans le 3e arrondissement de la ville. Très touché par la présence et le soutien de la première autorité municipale, le promoteur de l'orphelinat présente en quelques mots le centre d'accueil de sauvegarde de l'enfant. Depuis le 1er janvier 2002 que nous sommes venus nous installer ici, on était ailleurs. Nous avons créé cet orphelinat parce que nous avons compris que nul ne peut être heureux tout seul. Et à notre arrivée à Parakou, nous avons rencontré une misère. Celle des enfants dits sorciers. Des enfants dits sorciers parce que, ayant perdu la mère à la naissance, ayant poussé les dents par les mâchoires supérieures, ayant présenté le siège, etc. Alors nous, notre réaction, ce n'est pas seulement de dire, de conscientiser. Nous avons, entre nous, en famille, penser qu'il faut leur proposer quelque chose. C'est pour cela que nous avons commencé par accueillir ces enfants. Nous avons continué et aujourd'hui, les plus grands sont partis. Il y a des étudiants, il y en a qui ont même terminé et nous continuons notre petit bonhomme de chemin. L'activité principale pour les enfants qui sont ici, c'est l'école. Donc les plus jeunes sont dans l'école primaire à côté, qui est leur école, et les plus grands sont au CEG Guémant. Les déscolarisés, nous les envoyons en apprentissage. C'est comme ça que nous avons ceux qui ont eu la chance d'aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons trois étudiants. Merci vraiment, monsieur le maire, de nous visiter ce matin. Par ce geste d'amour, l'autorité municipale montre son engagement à promouvoir l'éducation de tous les enfants. Monsieur le Fondé, j'ai pensé que ces petits-enfants qui sont avec vous, vous en faites déjà et certains vous accompagnent. J'ai décidé pour cette rentrée scolaire, pour le peu que nous avons pu obtenir, venir partager avec ces enfants, en leur attribuant quelques fournitures scolaires pour les accompagner à traverser cette année scolaire paisiblement. Ce n'est pas beaucoup. Nous allons donner ce matin le peu que nous avons. Et si demain les conditions s'améliorent, nous viendrons encore ici avec beaucoup de choses. Chers enfants, ne dites pas que vous n'avez personne. Nous sommes là. Et Dieu a fait que nous avons aujourd'hui le peu qu'il faut pour vous accompagner. Nous allons vous accompagner parce que le Bénin de demain, c'est vous. Nous, nous sommes appelés à partir. Et ceux qui vont nous remplacer, c'est vous. Grâce à cette aide, les enfants bénéficiaires peuvent se concentrer pleinement sur leurs études. C'est un honneur et une joie. Surtout pour moi et pour tout le centre, de recevoir le maire dans nos locaux. Et aussi, venir avec les mains chargées. Mais surtout aussi, de l'amour qu'il a témoigné envers ses enfants, en leur montrant, en leur disant qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des gens qui pensent à eux. Au nom de tous ses camarades, la porte-parole des bénéficiaires remercie le maire pour avoir pensé à eux et promet. Nous lui promettons de très bien travailler à l'école, d'être des leaders et de devenir des cadres de demain.
Par cette remise de fournitures scolaires et d'appui, le maire de Parakou vient réaffirmer l'attention qu'il porte à l'éducation des enfants et surtout à leur situation de vulnérabilité. Après ce geste d'amour, à l'endroit de l'orphelinat, il est passé dans toutes les classes du groupe scolaire pour encourager les apprenants et les enseignants.